Salut, salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens avec du lourd, du très très lourd. Donc, c'est quelques business que je vais vous présenter que tout le monde peut lancer sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, ça ne demande rien, rien, ni d'argent, ni de matériel. Vous pouvez vous lancer très facilement avec juste votre téléphone portable. Votre téléphone portable, même si vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de compétences techniques. Vous n'avez pas de notion en informatique, vous ne maîtrisez aucun langage en informatique, vous pouvez lancer votre business dès aujourd'hui. Et suivez la vidéo jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin, et vous allez vous lancer à partir de maintenant. Voilà, et on commence. Le premier business le plus populaire, c'est tout que tout le monde connaît, c'est faire des ventes sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Les ventes, là, vous créez votre groupe Facebook, ou bien votre groupe WhatsApp, ou bien votre page Facebook, vous commencez à faire des ventes. Votre groupe Instagram, et vous commencez à faire des ventes, tout. Ouais, ça c'est très bien, mais nous allons venir, nous allons parler un peu de ça et nous allons encore vous présenter encore de nouvelles choses comme l'affiliation, puisque sur les réseaux sociaux c'est limité, sauf ceux qui vous connaissent qui vont payer, puisque si quelqu'un ne vous connaît pas, la personne ne va pas venir commencer à faire des paiements comme ça sans vous connaître, ou bien à vous envoyer de l'argent sans vous connaître. Vous voyez, c'est bien de se lancer, créer votre groupe, que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. C'est bien de se lancer et commencer à vendre vos produits. Mais quelqu'un qui ne vous connaît pas ne va pas venir payer vos produits. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais ça ne vous empêche pas. Commencez, lancez-vous, puisque vous allez avoir des expériences. Vous allez comprendre comment négocier, vendre, tout ça. Ça, c'est très, très, très bien que je vous encourage à le faire. Vous voyez. Maintenant, un petit conseil que j'ai sur ça, restez strict dans vos ventes, puisque quand vous créez votre page ou bien votre groupe Facebook, c'est l'erreur même que la majorité commet, aller vendre tout sur leur page. Genre, même quand vous prenez l'exemple, même dans la vie comme ça, vous n'allez pas partir dans une boutique ou bien dans une boulangerie, trouver qu'on vend du savon, on vend des tomates, des légumes, tout. C'est pas joli quoi, c'est pas joli et c'est pas permis, c'est pas autorisé même, c'est pas normal. Donc il ne faut pas le faire sur vos groupes ou bien sur vos pages Facebook. Quand vous vendez seulement, soyez strict, restez dans votre boutique, vendez uniquement vos produits. Si vous vendez des produits cosmétiques, vendez uniquement ça, vous voyez. Donc il ne faut pas aller mélanger ça. Ça ne donne pas l'envie de rester, ça ne donne pas l'envie de s'abonner à votre groupe Facebook ou bien à votre groupe WhatsApp ou bien à votre page. Que ce soit votre site que vous créez. Vous voyez, maintenant ce que je vais parler sur YouTube, voilà, ça aussi ça fait partie des réseaux sociaux. Voilà, nous sommes toujours dans le premier business le plus populaire. Donc YouTube aujourd'hui, YouTube vraiment c'est l'opportunité du siècle et tout le monde peut se lancer sur YouTube. Vous voyez, tout le monde peut se lancer sur YouTube et ça demande pas des moyens ni de matériel. Voilà, je suis en train même de faire cette vidéo avec mon téléphone. Vous voyez, donc tout le monde peut faire des vidéos. Donc choisissez un thème qui vous plaît. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Donc je vous invite également à aller la découvrir, la première vidéo. C'était vraiment, j'ai parlé de quelques sujets comme ça qu'on peut lancer, qu'on peut commencer sur YouTube. YouTube c'est gratuit et c'est gratuit. Tout le monde, vous commencez seulement à créer votre compte. Voilà, dans les prochaines vidéos, abonnez-vous. Je vais faire des vidéos tutoriels pour vous montrer comment créer et comment créer sa page, sa chaîne YouTube, comment avoir ses premiers 1000 abonnés. Voilà, comment ne pas abandonner, puisque la majorité des gens commencent sur YouTube et quand ils voient qu'on dit qu'il faut avoir 4000 heures de visionnage pour pouvoir être payé par YouTube, voilà, certains abandonnent. Mais c'est pas ça. Je vais vous montrer seulement comment vous allez vous lancer sur YouTube, avoir des abonnés et réussir et faire du prospect et collecter votre audience pour pouvoir faire des ventes avec de l'emailing et autres tout. Vous voyez, c'est très intéressant. Voilà. Donc, deuxième chose que je vous recommande à faire, c'est un peu pareil, c'est faire du blogging. Vous voyez, voilà, ça demande un peu de compétences, mais même si vous n'êtes pas informaticien, tout le monde peut le faire.
voyez, c'est très très facile. Donc vous pouvez faire du blogging. Le blogging, deuxième business que je vous recommande à faire, il s'agit seulement de choisir votre thème, le thème qui vous plaît, et vous commencez à faire des vidéos, puis vous écrivez des textes et vous mettez sur votre blog. Vous voyez, le blog c'est comme un site, voilà, et voilà, vous mettez ce qui vous plaît, quoi, voilà, avec l'objectif de se faire de l'audience et d'aider les autres, vous voyez. Donc quand vous faites votre blog, vous pouvez vous constituer assez un grand nombre d'audience, et voilà, et avec des jours, avec des temps, avec le temps, vous pouvez commencer à vendre même sur votre blog. Vous pouvez vendre des produits sur votre blog, et ce qui est intéressant, vous pouvez lier votre compte YouTube, votre chaîne YouTube, votre page Facebook, tous vos réseaux, vous pouvez les mettre ensemble sur votre blog, ce qui est très 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 intéressant, et je vous le recommande à le faire. Donc je vais abonner-vous, je vais faire des vidéos tutoriels pour vous montrer, ça c'est l'introduction, mais je vais faire une vidéo pour vous montrer chaque partie, ce qu'on doit faire pour pouvoir créer votre blog. Mais en attendant, vous pouvez aller sur Google, aller taper sur blogueur.com. Voilà, donc je ne vais pas vous donner des liens comme ça, mais vous pouvez aller sur Google, taper blogueur.com, blogueur, B-L-O-D-G-E-R. Donc quand vous tapez sur blogueur, vous allez comprendre, à voir comment vous pouvez créer votre blog. C'est très 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 simple. Et vous commencez à mettre vos vidéos, écrivez ce que vous voulez. Donc si vous ne voulez pas faire des vidéos et vous ne pouvez pas, ou bien vous ne voulez pas faire des vidéos, vous pouvez écrire des textes, voilà, sur votre, ce qui vous plaît, et vous les mettez sur votre blog. Et voilà, vous allez les partager avec vos amis et vous allez vous faire de l'audience. Et à partir avec le temps, vous pouvez maintenant associer ça à votre chaîne YouTube. Voilà. Voilà, après YouTube, maintenant, c'est faire l'affiliation Amazon. Voilà, donc grâce à Amazon, aujourd'hui, tout le monde peut vendre sur Internet. Donc, vous n'avez pas à intervenir dedans. Donc, vous créez seulement votre compte Amazon Business et vous faites l'affiliation avec Amazon. Maintenant, Amazon va vous donner des liens. Voilà, si vous voulez vendre des ordinateurs, des PC, vous allez rentrer dans Amazon, vous tapez PC et maintenant, vous allez créer votre lien d'affiliation. Ça, c'est quand vous avez l'affiliation, un compte Amazon Business. Et maintenant, vous pouvez avoir votre lien d'affiliation. Et une fois que quelqu'un va rentrer à travers, cliquer sur votre lien pour pouvoir payer un PC, vous avez un pourcentage sur ça. Vous voyez? Donc, avec ce lien, vous pouvez le partager sur votre page Facebook, sur vos réseaux sociaux et partout. Donc, et vous n'avez rien à intervenir. Ce qui est important, c'est ça. Vous n'avez pas à intervenir dedans. C'est Amazon qui va s'en charger de la livraison, tout, vous voyez. Donc Amazon vous donne seulement le lien d'affiliation, vous voyez. Donc je vais faire des vidéos pour vous montrer aussi comment créer un compte Amazon. Maintenant, le dernier business que je vous recommande à faire, c'est les crypto-monnaies. Il y en a assez, mais j'ai juste choisi ces trois seulement pour vous présenter. Avec les jours à venir, Inch'Allah, on va en parler encore d'autres business. Vous voyez, donc les crypto-monnaies, je vous recommande vivement à les faire, puisque aujourd'hui tout le monde peut investir sur les crypto-monnaies. Donc il y a plusieurs plateformes, mais moi ce que j'utilise, c'est la blockchain. C'est très facile, tout le monde peut créer son compte. Vous n'avez pas besoin, c'est pas comme à la banque, on vous dit il faut avoir tel âge avec tel papier, des conditions, beaucoup de conditions pour pouvoir créer votre compte. Sur blockchain, tout le monde peut le faire. Allez créer et vous pouvez commencer à créer vos premiers crypto-monnaies. Je vais faire une vidéo spéciale sur ça, sur la vente et les achats des crypto-monnaies, comment payer ces crypto-monnaies, tout. Ce que je vous recommande à les faire, il faut le faire et il faut payer, par exemple, les crypto-monnaies, les bitcoins. Par exemple, bitcoin en 2009 à sa création était à moins de 1$. Maintenant, en 2020, fin 2020, bitcoin va de 23 000, 24 000$. Donc, je vous recommande vivement à investir votre argent dans les crypto-monnaies. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.